Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour votre émission Ma famille, ma vie. Alors comme d'habitude, trois rubriques, l'info de l'expert, le témoignage et pour finir la rubrique avec Kherdine Khaldoun, faites-le à la maison. Et le sujet qu'on a décidé et choisi d'entamer aujourd'hui avec vous, c'est les conséquences des conflits conjugaux sur les enfants. Et pour en parler avec nous, la coach Latifa Bouzbil, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et tout de suite, on passe à l'info de l'expert. Alors, l'harmonie totale dans un couple est un idéal à atteindre plutôt qu'une réalité vécue tous les jours. La vie de couple n'est pas un long fleuve tranquille, d'autant plus lorsqu'on a des enfants. Les parents sont avant tout un couple avec des hauts, des bas et les disputes éclatent parfois. Alors, faut-il absolument éviter les disputes conjugales en présence des enfants? Eh ben, les disputes sont incontournables, Oui, d'accord? on ne peut pas y échapper. On ne peut pas y échapper, il y aura toujours des désaccords entre les conjoints, il y aura toujours des disputes. Mais je pense que vraiment la condition sine qua non, c'est que ces disputes-là ne soient pas violentes, qu'elles soient faites dans un cadre de respect, d'honnêteté et de bienveillance. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir aussi que les disputes peuvent servir les enfants. Pour que D'accord. les enfants comprennent qu'on peut très bien être en désaccord, qu'on ne peut pas toujours être en accord avec tout le monde et surtout. Et puis aussi, ça va apprendre aux enfants de pouvoir s'exprimer, de s'affirmer et que ça se passe comme ça, que la vie n'est pas tous les jours rose. Donc les disputes devant les enfants, ok, mais pas les grandes Non, disputes. non, non. Ni les disputes violentes, que ce soit la violence physique ou verbale, ou les disputes fréquentes. De D'accord. tous les jours. Là, ça, il faut éviter devant les enfants. Très bien. Voilà. Et quelles sont justement les répercussions de ces disputes sur les enfants? Ah ben, les répercussions sont très négatives, dans le sens où les enfants, quand ils sont comme ça, spectateurs et témoins de ces disputes, surtout lorsqu'elles sont fréquentes et chroniques, et surtout quand elles sont violentes, c'est-à-dire d'une violence physique ou une violence verbale, ça va vraiment générer, eux, des émotions de tristesse, de Oui. culpabilité, surtout si les disputes sont à cause d'eux. D'accord. Et même si ce n'est pas à cause d'eux, les enfants en bas âge, même des bébés et des adolescents, n'ont pas assez de recul pour pouvoir analyser et comprendre que ce n'est que des désaccords. Donc c'est vraiment ça, ça va générer chez eux des émotions de colère, de tristesse, d'angoisse. Ils vont perdre leurs repères, ils vont être perturbés, ça va même perturber leur sommeil, leur alimentation, leurs résultats scolaires, c'est vraiment très néfaste pour les enfants. Donc moi, ce que je pourrais demander aux parents, c'est vraiment de bannir les conflits et les disputes comme ça, très violentes et fréquentes devant les enfants. C'est un peu difficile en ce moment, en temps de pandémie et en temps de confinement. On nous conseille de rester à la maison. Ouais. Mais on sait très bien que rester 24 heures sur 24 avec le conjoint n'est pas toujours évident. On finit toujours par se prendre le bec. Qu'on le veuille ou pas, on peut se disputer juste avec la pression qu'on a avec cette pandémie, justement. On est devant un inconnu. On n'a jamais été confronté à une situation pareille. Rien que ça, la peur et puis le stress de ça peut engendrer des disputes parentales. Donc c'est un peu difficile en temps de confinement d'essayer de gérer ça. Entre adultes et surtout devant les enfants. Complètement. Mais à ce moment-là, si on est en désaccord ou si on sent que le ton monte, il est préférable ou d'éloigner les enfants D'accord. ou voilà, ou que les conjoints sortent du lieu où sont les enfants. D'accord. C'est-à-dire pour ne pas laisser les enfants être témoins et spectateurs de cette dispute. Comme je vous ai dit, surtout si la dispute va être assez violente et que le ton monte et que la colère va s'installer entre les parents. Ça, c'est important. D'accord. Mais comme on dit, on peut jamais y échapper. Donc il faut essayer, comme je leur dis à chaque fois, les parents, faites de votre mieux. Parce qu'on n'est pas des parents parfaits. Donc il ne faut Oui. pas essayer de se faire la pression et d'être parfait. Faites de De votre votre mieux, mieux. Et voilà. surtout pas culpabiliser. Surtout pas. Très bien. Alors, comment préserver les enfants face aux conflits conjugaux? Est-ce qu'on doit leur expliquer? Il y a eu une dispute entre les parents. Est-ce qu'on doit leur expliquer ce qu'il y a eu en détail? Ou est-ce que. Ou, comment on fait? On règle nos disputes avec les parents et puis, enfin, avec le conjoint et on n'en parle pas aux enfants. On l'explique aux enfants. Quelle est la démarche à suivre?
D'abord, il faut essayer de ne pas le faire devant les enfants. Je vous ai dit que surtout quand c'est fréquent ou c'est assez violent, mais il faut toujours, pas expliquer, mais en parler pour dédramatiser. D'accord. Je ne dis pas banaliser, parce qu'une dispute n'est jamais banale, mais pour dédramatiser, pour que les enfants sachent, parce que pourquoi les enfants, ils ont besoin d'amour et de sécurité. Donc quand ils voient comme ça leurs parents en train de se disputer, ils disent, ou ils ne nous aiment pas, voilà. Ou ils vont se séparer, ils ont toujours cette peur que les parents se séparent, surtout les enfants de maintenant, ils savent très bien que les divorces existent et que les parents peuvent, après une dispute, se séparer. Donc ça va générer chez eux ce sentiment d'insécurité. Alors c'est pour ça qu'il est préférable, non pas d'expliquer toute la dispute, mais de leur dire que ça arrive, qu'on peut être en désaccord, qu'on peut être en colère, et ça s'est passé, mais il n'y a pas de souci, il ne faut pas en faire un drame non plus. À toute tranche d'âge, à partir de quel âge on peut expliquer ça aux enfants ? Alors bon, 0 jusqu'à 2 ans, ce n'est pas possible parce que l'enfant, mais je pense à partir de quand l'enfant commence sa scolarisation, même avant la scolarisation préscolaire, on commence déjà à expliquer que les disputes, ce n'est pas un drame, que ça peut arriver parce qu'on a tous notre avis et qu'on est en train juste d'essayer de trouver une solution à un problème qui s'installe. Très bien. Alors, y a-t-il une stratégie pour démêler les disputes ? Ah oui, alors oui. D'accord. Alors, pour les démêler, pas pour ne pas y arriver. On reverra après comment ne pas arriver à la dispute. D'accord. Pour démêler, moi je pense que déjà, il faut apprendre à s'écouter, il faut apprendre à communiquer. La communication est très importante, d'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est vraiment en communiquant, en essayant d'exprimer son ressenti, et surtout en évitant le « tu ». T-U. Le tu accusateur. Exactement. Le tu qui tue. Oui. T-U-E. Mais plutôt aller, pour les démêler, aller vers son ressenti et parler de je. Voilà. Et exprimer vraiment ce ressenti-là en disant, par exemple, un des conjoints qui va dire à son conjoint, je me sens mal par rapport à cette situation-là, ou je me sens dévalorisée, ou je vois que j'y a pas assez de reconnaissance. Donc exprimer vraiment son ressenti. D'accord. Au lieu d'accuser son conjoint, et lui tu dire n'as pas fait, tu n'as pas, tout à fait. Tu n'écoutes pas, ou seulement tout se remettre sur soi et dire je ne suis pas assez écoutée, ou je ne suis pas satisfaite de la situation. Tout à fait. Tout à fait. C'est pas toujours évident, hein. Pas du tout, pas du tout, parce que c'est un exercice qu'il faut faire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Après, ça devient une habitude. Comment convaincre son conjoint? Quand on a un conjoint qui n'est pas dans cette optique-là, comment le convaincre justement d'essayer de voir les choses autrement? Alors déjà, il faut accepter que son conjoint est comme ça. Oui. Et je vais vous dire, il ne faut pas essayer de changer l'autre. Changer soi. C'est ce qu'on a tendance à faire. Changer c'est ce qu'on soi. A vouloir changer l'autre pour le modeler justement à son image. À son image et à ce qu'on voudrait avoir. Mais il faut plus s'adapter de ce qu'on a et puis s'habituer. Moi, je dirais pas plutôt s'adapter, mais essayer de se changer soi-même. Parce que l'autre, on n'a aucun pouvoir sur l'autre personne, sur son conjoint. Par contre, sur soi-même, on peut avoir ce pouvoir-là. Et de se dire, à la fin, peut-être que le motif de la dispute est dérisoire, n'est pas important. Donc, on relativise et on se dit, à la limite, je préfère être heureuse qu'avoir raison. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Alors, comment ne pas arriver jusqu'à la dispute? Est-ce qu'on fait un travail sur soi et on se dit, j'accepte? Et on finit. Qu'on le veuille ou pas, on se dit, bon, je vais accepter cette fois-ci, la deuxième fois, la troisième fois, on ne fait pas de remarques. Au final, on explose et ça risque de faire une grosse dispute. Alors, comment communiquer sans accuser l'autre et démêler la situation sans forcément… D'accord. Accepter, non. Moi, je ne suis pas d'accord pour accepter. D'accord. La première chose, dès qu'on voit que, premièrement, quand il y a de la dispute, c'est qu'il y a une émotion. C'est que là, l'émotion commence à grandir. Donc, ou c'est une émotion de peur, ou une émotion de colère, ou une émotion de tristesse. Donc, déjà, identifier qu'on est sous l'émotion. S'arrêter un moment, respirer, prendre une bonne respiration. Une respiration ventrale. Ventrale, exactement. On explique ce que c'est que les respirations ventrales, rapidement. Allez-y. Bah, allez-y. Respiration ventrale, c'est respirer par le ventre. D'accord. D'accord. C'est vraiment prendre une inspiration. Et gonfler le ventre et puis expirer, mais expirer beaucoup plus longtemps. Ça permet d'oxygéner le cerveau et ça permet aussi
au corps de se détendre. Ça va détendre les muscles, ça va détendre le corps. Donc on peut faire des exercices de respiration déjà, pour se détendre. Tout à fait, sans même arriver aux disputes. Déjà le faire soi-même, à chaque fois qu'on sent qu'il y a un petit stress qui arrive, on commence à le faire. Ça pourrait vous aider, ça aide énormément, ce genre d'habitude. D'accord. Autre chose, vous pouvez, je vais vous dire, c'est Rasoul alayhi salatu wassalam, tawaddao. Faire des ablutions. Vous ne pouvez pas faire des ablutions. Allez vous laver avec de l'eau froide. Subhanallah, le fait de se laver à l'eau froide, ça rafraîchit les idées. Ça rafraîchit les idées, exactement. Si ça ne marche pas, on va dire à son conjoint, je ne suis pas d'accord. Oui, mais je n'ai pas envie d'en parler maintenant. On va laisser un moment. Ça risque pas de titiller l'autre et de voir l'autre qui est impatient de comprendre, l'autre qui est impatient de comprendre ce qui se passe. Non, tu me parles maintenant, je veux comprendre, qu'est-ce qui se passe? C'est à vous de prendre la décision et de vous affirmer, de dire non, je n'ai pas envie d'en parler maintenant, parce que maintenant je ne pourrais pas en parler d'une façon, j'allais dire, honnête, claire et bienveillante. Donc je préfère prendre un moment, laisser passer un petit peu l'orage et qu'on se calme tous les deux et puis on en parlera et on en discutera. Ça. Essayez aussi de relativiser et se dire, faites comme je vais vous dire, à chaque fois qu'il y a une dispute, c'est pour des motifs dérisoires. Oui. C'est jamais sérieux. Donc se dire, c'est pas si important, il n'y a pas de souci. Allez, on laisse tomber, oui d'accord, tu as d'accord, mais c'est pas si important que ça. D'accord. Et il y a autre chose aussi, c'est essayer de se, d'abord avec soi-même, de se dire, est-ce que cette dispute-là est, j'allais dire, est tellement importante pour que j'arrive à cette violence? Que ce soit de la violence verbale ou physique. Et puis être honnête avec soi-même. Il faut se dire que des fois, on est dans l'erreur. Donc accepter d'être dans l'erreur et se dire... Ça, c'est compliqué parce qu'on a du mal à admettre qu'on est fautif. Et bien, ça arrive. Ça arrive. Donc être... C'est pour ça que je vous ai dit honnêteté, bienveillance. Donc essayer d'être honnête et reconnaître son erreur et se dire, ouais, je suis d'accord sur ça, je demande des excuses et c'est vrai que je ne suis pas... Voilà, l'erreur vient de moi. Donc il faut apprendre avoir accepter, cette honnêteté, voilà, avoir cette honnêteté et puis de s'accepter, d'accepter ses failles, d'accepter qu'on peut faire des erreurs et voilà, la vie est faite et comme ça. Et apprendre à faire des excuses. Tout à fait. C'est un truc très difficile à faire. Très, très difficile, mais je vous dis, avec l'habitude, ça se met en place après. Très bien. Alors, je voulais revenir sur l'exercice de respiration, justement. Est-ce qu'on peut faire ça avec les enfants? C'est au contraire, c'est préférable de le faire avec les enfants. D'accord. C'est préférable de le faire et de leur apprendre la respiration. Et leur apprendre à chaque fois qu'il y a un moment de stress, de tout de suite faire cette respiration-là. 3, 4, 5 respirations. Mais je vais vous dire, des fois, ça stresse des personnes. Hein. Il y a avec qui ça marche, il y a avec qui le stress augmente. D'accord, ça ne marche pas forcément sur tout le monde. Ça ne marche pas forcément sur tout le monde. Y a-t-il... Mais je pense qu'avec les enfants, si vous déjà vous commencez à leur inculquer ça dès le jeune âge, je pense qu'ils vont pouvoir l'accepter et ça va marcher avec eux. Très bien. Est-ce qu'il y a un autre exercice qu'on pourrait faire justement pour se relaxer? Ah, pour se relaxer, eh ben, se dire que la vie est belle. Oui. Et être en gratitude. Après tout, on se dit c'est pas si important que ça. Mais sinon, on a des activités qu'on peut faire pour un peu réduire cette tension et réduire cette... Complètement. Déjà, moi, comme je vous ai dit tout à fait, enfin, au début, c'est communiquer, apprendre à communiquer, apprendre à exprimer ses besoins, apprendre à exprimer son ressenti. Parce que si à chaque fois vous allez réprimer votre ressenti, ça va faire boule de neige et puis pour une petite dispute de rien du tout, ça va exploser. Donc le maître mot, c'est vraiment la communication continuelle, mais une communication toujours dans un cadre de respect. D'accord. Voilà. Et comment reconnaître que chez les enfants, que nos disputes, parents, nous les parents, quand on se dispute devant les parents, quels sont les comment reconnaître que notre enfant est, on va dire, je trouve pas le mot exact pour expliquer que notre enfant est affecté par ce genre de choses. Qu'est-ce qui va changer? Est-ce que son comportement, qu'est-ce qui doit nous alerter? Peut-être qu'il va commencer à pleurer. Mm-hmm. Peut-être qu'il va commencer à être insolent. Ça, c'est un signe. D'accord. C'est sa façon de s'exprimer. Comme il ne peut pas l'exprimer verbalement, parce qu'il n'arrive pas encore à exprimer ses ressentis, ça va être comme ça avec des comportements. Ou de peur, d'angoisse, de pleurs, il va être insolent, il ne va plus vous écouter. Il risque même de prendre le parti de l'un ou de l'autre. Et ça, c'est très mauvais. C'est-à-dire mettre votre enfant comme arbitre, c'est très mauvais. Ça va vraiment le perturber. Vous allez pouvoir le voir dans ses résultats scolaires. Peut-être qu'il va même, si c'est un enfant qui a commencé à être propre, il va refaire, voilà, sur lui. D'accord.
Voilà, donc là, il faut être alerté quand vous voyez des petits changements comme ça. D'accord, très bien. Et surtout, ne surtout pas poser la question, tu préfères papa ou maman? Oh, surtout pas. C'est à bannir. D'accord. Complètement à bannir. C'est la meilleure façon de séparer, ouais, de séparer le couple. Oui, tout à fait. Très bien, donc nous allons passer maintenant à la rubrique témoignage et on revient. Témoignage. Alors, pour la rubrique témoignage, nous allons regarder un micro-trottoir que Raouf Hamouche a préparé pour nous. Voilà, c'est-à-dire les conséquences. Il y a des familles en fait, pendant les 6 mois qui sont arrivées au divorce. Hein. Ils sont arrivés au divorce. C'est-à-dire la maman, elle est stressée, le papa, il est stressé. Et d'un côté, avec le stress, les enfants, ils disent psychiquement, maoula, ah, je ne peux pas, je suis comme ça, ouais. L'enfant d'un côté, il va se recroupir sur lui-même. Mm. On n'a pas l'habitude de voir le mari toute la journée. Mm. Donc, on va faire ça. On a insisté, fait naître l'étincelle. Oui, toute la journée, on se dispute. Il y a des familles qui savent gérer. Hein. Alors, par contre, absolument. Il y a des familles qui savent gérer. Oui. Discussion, la discussion, c'est mauvais pour les hommes. D'accord. Il faut toujours nous apprendre de la patience. Oui. Le cœur, on ne parle pas ouvert. Quand on sort la patience, oui. Très très patience. D'accord. On passe une période très très agitée. Très très agitée. Alors, dans un là, ligne rouge là. Il y a des milliers de couples qui sont différents, donc chacun a ses habitudes, a ses manières. Donc, on est d'accord tout dépend de l'éducation de chacun. Mais on est d'accord sur un point, c'est ne pas se disputer à côté des enfants. C'est une évidence, se disputer devant les enfants. C'est vraiment il faut que irresponsable voilà. Donc les disputes, c'est vrai pour tous les couples, ça arrive, oui, ça arrive, mais devant les enfants, c'est inacceptable. Alors, comme on vient de le voir, la situation actuelle, la pandémie, le confinement, le stress que ça engendre, ça provoque des disputes et c'est pas inévitable. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit subir et attendre ou est-ce qu'on doit, par exemple, se faire un programme à la maison avec les enfants, avec le papa pour essayer d'étendre tout ça, pour ne pas trop penser à la pandémie, pour ne pas trop penser à ce qu'il y a comme problème, essayer de communiquer au maximum? Exactement. Déjà, il faut savoir que c'est une chance. Déjà, il ne faut pas prendre ça d'une façon négative. Pourquoi? Parce que je pense que c'est vraiment le moment où on est tous ensemble. Donc, essayer de fructifier ce moment-là où on est tous ensemble. Comme vous le dites si bien, donc créer des programmes où tout le monde, alors les enfants et les parents vont créer des programmes de, j'allais dire, très ludiques pour faire occuper les enfants d'une façon ludique et avec, je parle toujours avec grand amour et rester dans le partage. Je pense qu'il faut profiter de ces moments-là pour être dans le partage avec ses enfants. Moi, je pense que c'est vraiment le plus important. Parce qu'en temps normal, les parents ne sont pas toujours là, ne sont pas toujours présents. En temps normal, on n'a pas le temps de se voir. On n'a pas le temps. On se réveille le matin, exactement. On dépose les enfants à l'école ou à la crèche, on exactement. Est toute la journée au boulot. Oui. On revient tard le soir, le temps de manger, de partager juste le dîner et chacun dans sa chambre. Le week-end, si on a le temps, on fait une petite activité. Mmh. Là, on a une chance de redécouvrir ses enfants et pour les enfants, de redécouvrir leurs parents. Ben voilà, donc il faut profiter de cette aubaine. Oui, voilà. Très bien. Et justement, vous nous avez dit, une dispute légère devant les enfants, ça passe, ça leur apprend à... que tout n'est pas rose dans la vie. Donc on essaye de rappeler tous ces points-là. Donc qu'est-ce qu'il faut éviter avec les enfants? D'accord. Et voilà. Ce qu'il faut éviter, c'est vraiment les disputes violentes. Déjà, même sans ou devant les enfants, éviter les disputes violentes, que ce soit de la violence physique ou de la violence verbale. La dévalorisation, ça c'est à bannir, que ce soit avec ou sans les enfants. Est-ce qu'on risque de faire des adultes, qui vont tomber dans la violence ou refaire la même chose dans leur couple? Tout à fait. Parce que qu'est-ce que vous allez envoyer comme message à vos enfants? Vous allez envoyer le message que pour régler un conflit, c'est par la force. C'est par la violence. Et surtout, si ce sont des conflits ou des disputes quotidiennes et récurrentes comme ça, l'enfant, pourquoi? Parce que vous êtes les modèles de ces enfants-là. Ils n'en ont pas d'autres, surtout quand ils sont comme ça dans le jeune âge. Ils vont croire que c'est l'ordinaire. Et que pour régler des conflits avec les copains en classe ou au travail,
c'est la seule façon de faire, c'est la violence. Et c'est qui? C'est le plus fort. C'est celui qui gagne. Donc celui qui gagne, c'est le plus fort. Et c'est, je pense que ce n'est pas le message que vous voulez transmettre avec vos enfants, plutôt à vos enfants. Donc il est préférable, et vous faites très attention à ce que vous dites devant eux et ce que vous faites devant eux. Très bien. Voilà. Évitez toute violence devant tout les enfants. À fait. Une petite dispute. Ça passe. Ça passe et on leur explique tout sur tout. Surtout. Surtout. Voilà, on leur explique. On leur explique pas pourquoi on s'est disputé, mais on leur explique que dans la vie, il y a des moments où on s'entend pas forcément, mais on essaie de régler ça dans le calme. Tout à fait, tout très à bien. Fait. Et ça va les servir parce qu'ils vont savoir que voilà, pour trouver des solutions, on peut très bien trouver des solutions à des désaccords, mais comme ça, d'une façon en communiquant, d'une façon respectueuse, et puis en valorisant les conjoints entre eux, se valorisant. Très bien. Et communiquer avec son conjoint et ne pas forcément lui faire des reproches. Surtout pas. Le tu accusateur tue. Voilà. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez des consultations? Enfin, vous êtes coach. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous appellent justement pour les coacher, pour essayer d'éviter, d'éviter de tomber justement dans ces conflits conjugaux, de les coacher pour mieux vivre dans leur couple, mieux vivre avec leur famille, avec leurs enfants et leur apporter que du positif? Ah ben oui, ben oui. C'est ce qu'on fait et nous. La personne, quand elle vient, c'est pour ça que je vous dis, vous n'avez aucun pouvoir sur l'autre. Le seul le pouvoir que vous avez, le pouvoir de transformation, de changement, se fait sur vous-même. Donc, dès que la personne commence à faire ces changements-là, d'abord, elle va identifier ses peurs, elle va identifier où ça ne marche pas. Et le fait de se transformer et de se changer, ça va faire un effet, j'allais dire, de l'autre conjoint automatiquement va changer. Bah, il va voir le changement, il tout va voir fait. Que l'autre personne ne l'accuse pas forcément. Exactement. Voilà, donc lui aussi, il va faire tout de à même. Fait. Et c'est positif, et vous allez voir pourquoi, parce que les parents, alors le conjoint, il a besoin de voir sa femme heureuse, oui. Ou son mari heureux, et les enfants, ils ont besoin de quoi? Pour être sécurisés et vivre dans l'amour, ils ont besoin de voir des parents heureux et épanouis. Très bien. C'est ça. Donc, dès que vous avez un des conjoints qui est heureux, ça va, j'allais dire, ça va sur tout le monde. Voilà, tout le monde va être heureux et ça va toucher même les enfants. Très bien. Voilà. En tout cas, merci pour toutes ces informations. C'était très enrichissant. Merci à alors, vous. Alors, je rappelle, alors vous êtes Latefa Bouzbit, vous êtes coach. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et à bientôt. Merci à vous, Moulia. Et tout de suite, on passe à la rubrique Faites-le à la maison avec Redine Khaldoun. Place à la rubrique de Khairo, faites-le à la maison. On avec va le faire. Khebdin Khaldoun. Bonjour. Oui. Bonjour Mounia, ça va? Bienvenue. Merci beaucoup. Alors J'ai vu qu'il y avait beaucoup de tension sur le plateau aujourd'hui. Un peu d'électricité dans l'air. Beaucoup, je dirais même. Alors justement, suivant le thème, voilà. J'ai essayé de te trouver, de trouver aux téléspectateurs une activité. Une petite activité qui a beaucoup de. Qui, où on aura beaucoup de mouvements. D'accord, très bien. Et c'est un moteur électrique, un simple moteur homopolaire. Homo polaire, oui. Électrique. D'accord. C'est très simple. On a besoin de beaucoup de choses ou c'est non, simple non, non, à c'est faire. Très 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 simple. On faire avec les enfants, les parents Je pense les deux, oui. D'accord. Parce qu'on aura manipulé le fil conducteur qui est le cuivre et tout. Donc ouais. Je préfère impliquer les parents, ok. On risque pas de faire disjoncter le. Non, 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 du tout. On n'aura même pas besoin d'une source d'énergie, d'électricité, non, même pas. Même pas donc une prise ou. Non, non, c'est très simple. On va très suivre bien. Ensemble, ok. On suit ensemble. Très bien. On suit. Ça marche. Ok. Alors. Pour l'activité, c'est très simple. On aura besoin... comme ah, c'est ça, vois. Alors. Oui, c'est un peu le principe. On aura besoin d'une pile, voilà. Très bien. D'une série d'aimants, circulaires, bien évidemment. D'accord. On essaye de les avoir au même diamètre que la pile. Et le fil conducteur, qui n'est autre que le cuivre. Voilà. Très bien. Parce que c'est un excellent conducteur. Voilà. Donc là, on va voir les différentes formes que l'on peut se créer. Donc là, c'est très simple. Oui, tu vois, ça y est. Ça commence à tourner tout seul. Ça tourne tout seul parce qu'il y a tout un principe. Je reviendrai là-dessus juste après avoir vu les images. Donc là, c'est sympa. Oh, c'est joli. Ouais, je sais que tu vas aimer. Moi. Donc voilà. Donc c'est on peut faire beaucoup de formes. Tu mais... fais battre mon cœur. Bah, très bien. Tu l'as fait tout à l'heure avec la tension au sein du couple. Et voilà. On peut faire aller, laisser libre cours à notre imagination avec beaucoup de formes, mais je ne sais pas si tu as remarqué, il y a toujours le même principe. Il faut que le bas touche l'aimant. D'accord. Et le haut, il faut qu'il soit pointu et touche le plus de la pile. Très voilà. Bien. Donc là, on peut faire beaucoup de choses. Voilà, on peut faire beaucoup de choses. On peut avoir des formes circulaires. Donc là, on explique comment c'est...
On va coller donc les aimants sur le côté. Voilà, pour changer de direction cette fois-ci. Si tu veux, on va changer de direction. Quand on retourne l'aimant, ça change de direction. Ça change de direction. Oh, oui. Sympa, ça. Voilà. Donc, et là, nous avons le mouvement perpétuel. Donc voilà, donc c'est amusant, c'est sympa et ça fait un peu, c'est un peu quelque chose de magique pour les enfants. Et là, on a ajouté un petit bout de papier qui fait. Oui, voilà. Je refais le faire, hein, voilà. Avec ces temps de chaleur et tout. Ouais. Mais bon, il y a un petit clou et tout, donc c'est un peu. Voilà, il faut voir avec les parents. Voilà, pour manipuler et tout ça, donc je préfère impliquer les parents. Là, c'est très simple. Voilà, maintenant, on va revenir sur l'explication. D'accord, l'explication de comment ça marche. Donc, le phénomène. Là, on appelle ce phénomène le phénomène d'induction électromagnétique. Très bien. C'est très simple. Je sais que l'appellation et le terme est un peu... Mais c'est très, très, très simple. Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons de l'aimant. Donc, ça va créer... L'aimant va créer un champ magnétique tout au long du fil conducteur qui est le cuivre. D'accord. Donc, voilà. Et là, nous allons avoir deux forces motrices. Un couple, ce qu'on appelle le couple moteur. Ce sont deux forces motrices qui vont aller... L'une va aller dans le sens contraire de l'autre. C'est très simple. Je sais que c'est compliqué. Oui. Ça va, ça va. Donc, quand tu fais le geste comme ça, j'ai à peu près compris. Voilà. Donc, l'une pousse par là, l'autre par là. C'est très simple. Si par exemple, j'appelle notre réalisateur Mehdi, et toi, Mehdi va me tirer dans ce sens. Prends ton et bras toi, gauche, il tire par là, moi de l'autre côté. Et vous allez faire le mouvement circulaire. Donc, ça va tourner. Je vais tourner automatiquement. Très bien. Voilà. Mais on je vais avoir pas le tourner par la suite. Et c'est très simple. Voilà, c'est ce qu'on est en train de voir voilà, donc là, en image. Pour être plus explicite, nous avons les deux forces motrices qui vont dans le sens contraire. Et très là, bien. Ça crée ce mouvement perpétuel donc, autour de la pile. Bien évidemment, donc, il y a la pile, c'est elle qui nous permet d'avoir ce mouvement perpétuel, c'est l'énergie. Et nous avons l'aimant qui crée le champ magnétique. Et le fil conducteur qui est le cuivre, il va faire sa rotation. Voilà. Très bien. Voilà. C'est tout comme le sujet d'aujourd'hui. Voilà, très intéressant. Voilà. Donc si vous risquez de vous disputer, fabriquez plutôt des petites activités. Ça va régler le problème. Voilà. Cette petite activité avec c'est vos une œuvre. Enfants et ça ira mieux. Voilà. Très intéressant en tout cas, super. Très instructif. Merci beaucoup. Merci à toi Mounia, je te dirai à la semaine prochaine, Inch'Allah. Oui, à la semaine prochaine, bien sûr. On comme, a pas le choix. Bien sûr. Comme à chaque fois, chaque mercredi à 15h. On se retrouve chaque mercredi à 15h. Aujourd'hui, pour aujourd'hui, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien et au revoir. Salut. Ciao.